je connais, et la vie est bon sourire, et richesses qui s'avisent vers moi, et tous à Jésus. Alléluia, moi je Jésus, et longtemps de moi chercher. Sous l'eau qui toujours coule, et la vie si bon. Mettez-le là, c'est là. Vous avez le bagot de maintenant, vous avez là. Bon point de base. Seigneur, amen, hallelujah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, hallelujah, hallelujah, merci Seigneur. Amen, 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 amen. So, la paix, bon Dieu avec nous. Nous bénissons le Seigneur, nous disons merci pour grâce, amour, compassion, quelqu'un pour nous. Du fait qu'il y aide nous pour nous passer une agréable journée et nous avons une chance encore pour nous capables là, en vendredi ça. Donc pour nous capables de commencer, c'est le premier vendredi, nous avons commencé une étude biblique que nous avons gagné pour l'année. Donc c'est la première étude que nous avons gagné. Donc vendredi dernier, nous n'avons pas de chance capable de gagner une étude. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça, et nous bénissons le Seigneur pour chaque grain de monde, indistinctement, qui a suivi nous dans le moment ça, souhaiter que le Seigneur soit capable de jeter de riches bénédictions sur vous, ça, vous pouvez suivre soit sur ligne téléphone ou bien sur YouTube. Hein? Donc, comme ça, nous sommes capables de joindre béni ensemble, dans petit moment, on a passé ensemble. Et nous prier pour le Seigneur capable de prendre contrôle de tout. Père Saint, nous bénissons, nous glorifions, nous disons merci pour ça au fait. Nous disons merci parce que vous gardez nous, vous protégez nous, ou même qui c'est bon Dieu tout puissant, capable de régner tout le temps. Nous bénissons, nous glorifions et nous exaltons parce qu'au grand, vous faites de grandes choses, vous faites de grandes choses pour nous. Nous dormons, nous lever, nous sortir, nous entrer. Et là, vous prenez soin de nous, vous gardez nous avec nous. Ou pas quitter nous seuls, ou pas quitter nous abandonner. Donc jusqu'ici, ou à secourir nous, so nous nous merci et nous bénissons, nous glorifions pour tout ce qu'on fait pour nous et ça, ou à continuer à faire pour nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons pour prendre place spéciale parmi nous, dans ce moment nous pouvons passer ensemble dans l'étude parole. Nous demandons à toucher les cœurs et aider nous pour que nous passions un moment qui vraiment capoter fouille. Dans la vie l'église ça et la vie chaque grain de monde qui a bien chance de suivre surtout avec nous Seigneur côté au vaille. Dans un moment ça nous bénis nous et gardez nous et prenez contrôle tout bagage et tout autre reste au long du reste de l'année Seigneur toute étude que nous va gagner eh ben il va au moyen de bénédiction au peuple Seigneur pour être capable d'apprendre plus de bagage dans le but pour être capable d'approcher de nous-mêmes. Nous comptons sur et nous connaissons qu'à faire plus pour nous. Nous prions par les mérites infinis de Jésus. À lui soit gloire au siècle des siècles. Hein? Amen. So, la paix, bon Dieu, avec nous encore. Nous bénissons Seigneur et nous comptons pour nous capables ensemble à passer le moment ça. Nous dans le livre Éphésiens. Donc, c'est là que nous avons étudié et c'est là que nous avons continué. Nous avons fini avec le livre ça en 2021, si Dieu le veut bien. Donc, nous avons continué avec le chapitre 5. Qui gagne en pile bénédiction pour nous. Nous devons se rappeler que le livre ça, Paul écrit dans le moment qu'il était dans la prison, il était écrit pour nous être capable de parler avec mon Éphésien pour nous encourager au servir mon Dieu. Et lorsqu'il était apprendre qui Jean a vivre, c'est dans les versets 15-16, Paul dit qu'il apprend Jean a vivre, il apprend et il tandis que l'amour et puis la foi, qui Jean a eu la foi, vous voyez. Donc, peut-être ça, il n'y a pas suspendre, prier pour vous. Donc, il dit, pas suspendre, prier pour vous. Ouais, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, donc, pour être lié dans la prison, hein, donc, il entendait parler de la foi de ces Éphésiens, ou des Éphésiens, ou des chrétiens d'Éphèse. Et bien, il dit, eh bien, il entendait parler de la foi, non? Et
de votre charité pour les saints. Donc, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, Paul, tendez qui j'en l'église là, gagne la foi, et qui j'en l'église là, gagne l'amour, yo gagne pour les saints, l'amour fraternel qui a manifesté en dedans. Donc, l'amour, c'est avec, et avec la foi, c'est l'élément clé. L'église, toute l'église a marché. Donc, c'est dans l'église qui est solide, qui a marché. Donc, Paul fait un travail pour capable expliquer l'église ça en pile bagaille qui permet que l'église, nous, je dis, nous capable faire une base doctrinale sous en pile ça. Paul, eh bien, il dit à l'église ça. Voilà pourquoi que il y a un auteur qui dit que ça son chef-d'œuvre que Paul quittait pour l'église là. Et je dis à donc les livres d'Éphèse. Et un peu le monde considère que le livre ça, puisque qu'on lutte spirituelle dans ce livre, et bien, comparé, on dit, mais il y aurait l'île de Josué du Nouveau Testament, un peu le monde. Et dit ça, c'est le Josué, parce qu'il est semblé avec le livre Josué, hein, puisque Josué était une conquête physique qu'il a fait pour entrer Canaan, bataille, pour entrer Canaan, pour être capable de prendre possession de place que bon Dieu était. Promettre avec ancêtre donc avec patriarche mais tout donc dans livre ça nous gagnons conquête spirituelle nous gagnons une conquête spirituelle qu'a fait donc une bataille spirituelle tout qu'a fait certainement nous avons promesse que le Seigneur a déjà fait nous mêmes méchants campés mais au nom de Jésus n'a bien victoire voilà pourquoi que nous gagnons pour nous batailler et nous gagnons pour nous batailler dans les chapitres suivants c'est le chapitre 6. Eh bien, nous allons parler de ce combat spirituel, de cette bataille spirituelle qui nous a besoin dans le livre ça et des armes qui nous a utilisées, les armes que Josué a utilisées et les armes que nous-mêmes nous avons utilisées en tant que chrétiens, je dis. Hein. Et le livre ça, donc, il y a une note doxologique, tout, c'est peut-être ça qui est montré, il y a un psaume évangélique parce qu'il estime qu'il y a des moments d'adoration, de louange là-dedans. Donc, il y a des paroles de louange. Voilà pourquoi il y a un psaume évangélique. Il y a des paroles de louange. Donc, des expressions doxologiques. Qui relient, messieurs théologiens, des expressions doxologiques. Il y a des paroles de louange, d'adoration qui gagnent dans ce livre d'Éphèse. Donc, là, pour les trois premiers chapitres du livre, Paul consacré pour être capable de dire qui est-ce nous est dans mon Dieu, dans le chapitre 1er, parler de l'identité nous dans mon Dieu, en pile bagarre là-dedans. Et then pour lui parler tout de doctrine qui montre tout ça, qui nous gagne. Il prend en ligne dans le chapitre 2 en tout pour parler de continuer. Continuer à parler de tout bagage ça autour, surtout parler de l'église là, parler de qui c'est un mystère, le mystère de Christ. Ouais, donc, il parler dans le chapitre 3, il continuer avec lui, il termine avec une prière qu'il a commencé, c'est d'avoir une deuxième prière dans le chapitre 3. Et il est arrivé dans le chapitre 4 là, donc qui dans le chapitre 4, 5, 6. Donc, nous commençons avec un autre niveau, c'est un niveau pratique. Donc, si les trois premiers chapitres étaient constitués en sorte de théorie pour expliquer mais qui ça nous est, mais qui ça nous est, mais qui ça nous est, mais qui ça nous est. Mais ça a dit, mais qui ça nous doit faire en tant que monde qui gagne, qui identifie à ça, Paul t'a parlé. Par exemple, Paul identifie nous à monde qui adopté, que bon Dieu adopté, c'est-à-dire c'est petit bon Dieu. Identifie nous à monde qui bon Dieu élu, par exemple. Donc, vous parlez d'élection. Identifie nous avec monde qui sait. Donc, identifie nous avec monde qui célèbre du Saint-Esprit, monde qui racheter, eh bien, l'expliquer, faire ça, yo, maintenant qu'on est là, en tant que monde racheté, en tant que monde qui sait, qui j'en veux vivre. Donc, la vie nous doit vivre là, donc, il explique un peu le bagaille dans le chapitre 4, dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Donc, le chapitre 4 là, donc, parler de l'unité de l'église là, de gagner, puisque nous sommes seuls, donc, nous avons un paquet d'unité entre nous, donc, nous avons un peu le bagaille qui lie nous, son seul papa nous gagne, son seul esprit qui nous gagne, son seul Seigneur, son seul foi, son seul espérance qui nous gagne, son seul baptême, donc, son seul baptême, donc, nous gagne intérêt pour nous capables de faire un seul.
parlait des dons puisque l'Église l'a constitué des bon paquet de monde, mais chacun de nous gagne en fonction. Donc il parlait des dons que le Seigneur bail, des dons de ministère, du bail pour monde yo capable équiper saint yo. Donc l'équiper on équipe monde pour venir équiper l'autre monde. Donc voilà. Le travail qui apporte yo, travail pasteur, travail des docteurs, donc enseignant, prophète, donc t'as fait. Et continuer travail ça, on a continué faire pour équiper saint yo. Pour équiper saint yo pour yo capable connait bon Dieu. Non, pour arriver dans la finalité, ya. La finalité, c'est l'Église qui a maturité, qui est mature, pour nous avoir un peuple qui a maturité. La finalité, c'est pour l'Église là, édifier, c'est-à-dire pour construire l'Église là. Donc, la construction, c'est là, pas une construction physique, c'est-à-dire on, l'Église qui a bâti physiquement, mais construire l'Église de Jésus-Christ, on bâtit l'Église de Jésus-Christ. Donc, ils ont utilisé le mot ça, édifice, pour édifier l'Église là. Le mot édifier là, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, qui parlait de construction dans le texte original. Ok, donc, dans la fin chapitre ça, Paul pourrait mettre accent pour le montrer, dans mi-chapitre, ça, dans mi-chapitre ça, chapitre 4 là, il va mettre l'accent que nous ne pouvons pas vivre même Jacques l'autre monde dehors. Parce que puisque nous, bon Dieu relève nous, puisque bon Dieu fait nos saints, bon Dieu fait nous des gens spéciaux. Donc puisque nous ne sommes pas quelque monde spécial qui nous y est, donc nous ne sommes pas capables de vivre même gens avec l'autre monde. Donc Paul montrait ça. Il montrait que nous avons vivre longtemps dans nos vies parce que nous sommes hommes. Considérez le vieil homme, c'est-à-dire nous avons vu selon la chair. Il était un vieil homme en tant que monde qui t'a vécu comme ça, un bon vieux bagage qui était capable de pratiquer. Le vieux bagage, ça, on n'est pas capable de pratiquer encore. Quand il est là, nous devons gagner un autre bagage qu'il a pratiqué en tant que l'homme nouveau. Voilà pourquoi, dans la fin de ce chapitre, il va mettre accent sur des choses que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas faire, des choses que nous ne devons pas faire, du chapitre, du verset 25 au verset 32. Parmi lesquels il parlait de pour ne pas mettre nous en colère, pour ne pas dire vieux paroles à la bouche, nous, pour ne pas pécher contre Saint-Esprit. Donc, après ça, il va continuer encore pour montrer que nous devons sembler, pour nous imiter bon Dieu. Mon Dieu, son bon Dieu d'amour, pour nous gagner l'amour plutôt, au lieu de nous gagner des choses, c'est l'amour pour nous mettre. Et profiter qu'on lise des choses encore qu'il mettait. Le chapitre 5, là, on commence dans le chapitre 5 là, pour nous montrer que nous ne sommes pas capables au même temps d'elle. Mais nous ne pouvons pas répéter parmi les saints, tant qu'on adultère, tant qu'on des gens qui grident pour l'argent, etc. On a des choses comme ça. Il faut nous lier avec les gens qui vivent comme ça. Et puis nous pratiquer des choses comme ça. Parce que dans verset 8, là, on dit que nous sommes lumière. En tant que lumière, des enfants de lumière, nous devons vivre comme des enfants de lumière. Mi chapitre ça encore pour la guerre nous sur l'autre bagarre encore que Paul pour mettre accent sur lui pour mettre accent sur question de sagesse que nous devons gagner et c'est dans partie ça que nous est là donc pour nous vivre on vit pour nous vivre sagement pour nous agir sagement pour nous pas vivre comme monde fou c'est ça qui a commencé dans le verset 15 pour dire prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous inivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques et par des hymnes spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte
de Christ. Donc, mes bien-aimés, texte ça, c'est souligné là, et d'après un petit temps la dernière, nous déjà parlé de vivre sagement, donc nous parler de sagesse des agents pour nous agir. Nous déjà parlé des questions de temps des gens que Paul met accent sur lui pour nous utiliser temps de nous sagement. Nous déjà font parler tout dans le verset 18. Nous t'ai dit que verset 18 à 21, donc Paul a montré trois bagailles qui sont vraiment importants. Et il a montré dans trois bagailles ça, yo, comme si c'est des bagailles qui ont aidé nous à sortir dans un état de l'ivresse. Côté monde, ils sont antidote contre les gens qui sont dans l'ivresse parce qu'ils vivent selon, qui remplit avec divin. Paul dit, pour nous pas remplir comme nous avec divin, pour nous pas boire divin, mais plutôt pour nous remplir avec l'esprit bon Dieu. Donc, expression ça que Paul utilisait, qui j'aime pour nous vivre selon ça, il dit, c'est pour nous, en tant que monde qui remplit avec l'esprit, c'est pour nous vivre, c'est pour nous utiliser les psaumes, les hymnes et les chants spirituels. Ok, les chants spirituels. C'est pour nous vivre une vie pendant qu'on a remercié le Seigneur. Et c'est pour nous vivre tout dans la soumission l'une à l'autre. Donc, ça est important. Donc, la plénitude de l'esprit menez-nous. La plénitude de l'esprit menez-nous à vivre une vie côté, eh bien, pour nous chanter des chants de louange. Chanter. Lit des psaumes, des hymnes. Donc, partie ça, son partie, adoration. Donc, Paul mène nous non partie pour nous adorer le Seigneur. Donc, côté des fonds titans là-dedans, parler de plusieurs gens que nous avons dans le Saint-Testament qu'on est adoré, prend temps pour louer, pour chanter, lit psaumes, yo prend plaisir pour être capable. Louer bon Dieu, adorer bon Dieu pour s'allier. Il fait bruit quelquefois parce que l'orgue est sommeil, le monde qui écrit sommeil. Donc il y a un niveau bien haut. Pas prêter trop là dedans parce que je t'ai parlé sur lui déjà, mais l'on lit dans les derniers psaumes par exemple, si nous dans le psaume 148, vous savez que bon côté et le psalmiste lui dit que et puis, il dit, c'est pour nous louer l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, vous tous abîmes. Il a évité tout côté, toute bagaille qui existait, il a appelé tout ça qui appelait à l'existence pour louer l'Éternel. Il dit, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. C'est pour nous louer l'Éternel. Il dit, montagne et toute colline. Fruitier pour louer tout pied bois pour louer mon Dieu. La brûlé animal dans le verset 10, animaux et bétail. Yo louer mon Dieu, reptiles, oiseaux, la dio, louer mon Dieu. Li roi la terre, président, sénateur, député pour louer mon Dieu. Les juges, princes, louer mon Dieu, les jeunes garçons, c'est pour louer mon Dieu, jeunes filles. Grand monde, petit monde, pour louer mon Dieu. Il dit parce que c'est non, mon Dieu seul qui le fait. Et majesté lui au-dessus de tous les cieux. Donc, mais, l'élu vient dans l'autre psaume 150 là même. Il dit bon, louez l'Éternel. Il dit louez l'Éternel pour ses offres. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il dit louez-le avec. La trompette, de la lutte, les luttes, la harpe. Louez-le. Avec tambourin, avec des danses, des instruments à cordes, des cymbales sonores, des cymbales retentissantes. Donc, mettez une musique. Louez mon Dieu. Donc, Paul, en tant que juif, connaît que peuple ça. Qu'on loue mon Dieu. Et
psalmiste yo décrit qui j'en louange yo qu'on fait dans ton ça. Donc premier en, ça c'est le premier élément que Paul mettait accent sur lui dans le texte là pour lui montrer yon monde qui remplit l'esprit. Un monde qui est contrôlé par l'esprit. Mais qui ça le fait? C'est-à-dire que le contraste dans le verset 18. Le contraste qui est dans le verset 18, c'est que le monde qui a rempli de vin. Ouais. Autrement dit, il y a contrôlé par le vin. Et il y a ou bien il y a contrôlé par le Saint-Esprit. Mais Paul dit que lorsqu'on est contrôlé par le vin, son péché. Alléluia. Verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Puis gardez-nous sous avec du vin. Puis gardez-nous contrôlé par le vin. C'est un péché. Mais il dit au contraire, soyez qui ça, rempli de l'esprit. Donc, verset 18 annonce nous trois gros éléments. Lorsque un monde remplit l'esprit, verset 19 a commencé, il dit, monde qui remplit l'esprit, eh bien, yo laissé, yo entretenu par des psaumes, yo quitté des psaumes de louanges, sorti dans le cœur, yo chanté des cantiques spirituels. Célébrer de tout leur cœur les louanges du Seigneur. Mais toi, Texa, rap, appelez-nous tout, non seulement à la louange, mais également lorsque nous avons un cœur qui remplit avec l'Esprit, les remplit du Saint-Esprit. Alors, il faut me dire ça en passant, parce que nous avons pour nous faire parler plus sur ça. Donc, remplir cet esprit, la parole là, parce que dans la Bible là, lorsque vous parlez de remplir cet esprit, il y a deux expressions qui traduisent remplir cet esprit. Vous voulez dire que laisser cet esprit contrôler au monde pour faire une activité spécifique, spéciale, dans un moment donné. Et l'esprit dans ce sens-là, il n'est pas rempli, il n'est pas arrêté comme ça. Parce que Pierre était rempli avec l'esprit, bon Dieu. Les disciples étaient remplis avec l'esprit le jour de la Pentecôte. Mais rempli cet esprit-là, bon côté, il dit plus devant dans le chapitre 2, verset 38. Mais plus devant le même chapitre 2, de toute façon, plus devant le même chapitre 2, il dit Paul, il dit Pierre, tu es rempli cet esprit de nouveau. Vous voyez là. Ça veut dire, rempli cet esprit, il n'est pas crimé comme si net pour te continuer à remplir cet esprit. Donc, il t'a fait ça dans plusieurs côtés dans la Bible là. Donc, nous allons nous tourner sur ça parce que nous avons parlé de remplir cet esprit parce que remplir la confusion dans remplir cet esprit. Mais plutôt là, nous utilisons la deuxième signification qui montrait que c'est une vie. C'est-à-dire, c'est comme si Mounsa, son homme, disons, c'est quelqu'un, son homme spirituel, son monde qui vit selon l'esprit. Donc, dans ce sens-là, il est toujours rempli avec l'esprit, puisque l'esprit, bon, est déjà dans lui. Mais maintenant, il a gagné habilité pour faire un paquet de bagages parce que l'esprit toujours contrôlé, parce que l'esprit est dans l'île, il laisse l'esprit contrôlé. Autrement, l'expression que Paul employait pour dire, eh bien, marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit. Donc, c'est ça. C'est là que Paul a parlé là pour dire que, eh bien, là où on remplit cet esprit, eh bien, lit. Il y a un cœur pour porter louange par mon Dieu. Donc, il y a porter louange par des psaumes, par des cantiques spirituels. Donc, bagaille ça, des chants spirituels, les cantiques spirituels, il y a toujours sous l'œuvre monde qui remplit l'esprit. C'est difficile pour le monde, bon Dieu, par un chant sous cœur de temps en temps.
l'a redonné. Un bagage qui a passé pour porter l'orange par bon Dieu. Moun sa a une attitude de reconnaissance, ça son deuxième bagage pour le parler dans le verset dans le même verset 19 là. Non, dans le verset 20, c'est trois bagages, une dans le verset 19, il porte des louanges. Donc un cœur, une personne remplie de cet esprit apporte de louanges à Dieu, lui apporte adoration à mon Dieu. Et deuxièmement, il y a un monde qui remplit cet esprit, et bien, monde ça lui rend continuellement grâce à Dieu. Lui remercier mon Dieu. Verset a dit comme ça que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans ce texte, nous voyons la Trinité, bien-aimés. Dans ce texte, nous voyons la Trinité même. Et puisque la personne est remplie du Saint-Esprit, et puisque elle est remplie du Saint-Esprit dans le texte-là, puisque verset 18 là dit, soyez remplie du Saint-Esprit, eh bien, les remplis du Saint-Esprit, et mais deuxième bagaille qui pourrait le faire, là qu'on a dit que les remplis du Saint-Esprit pour le rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, il est déjà rempli du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, il doit rendre grâce à Dieu, le Père, première personne de la Trinité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est deuxième personne de la Trinité. Donc, il y a dans ce gène-là, comme si nous parlons, well, mais il a dans là, puisque l'idée c'est pour nous remplir de l'esprit. Il a nous rempli de l'esprit, donc nous porter adoration, et non seulement nous porter adoration, mais nous porter des remerciements. Le verset 20 dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En remerciant le Seigneur, disons, yon cœur rempli de l'esprit, il débordait de reconnaissance. Yon cœur rempli de l'esprit, il débordait de reconnaissance. So, à qui est-ce remerciement yon doué bay? Verset a dit bien, remerciement doué bay à Dieu le Père, à Dieu comme notre Père. Ou le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est avec lui remerciement de bail. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même et de lui-même que nous gagnons toute bagaille qui est bon. Parce que c'est de lui-même que nous gagnons toute bagaille qui est bon. Donc nous bali remerciement. Nous dit merci. Lamentation de Jérémie dit mais compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin. Donc, lorsque nous levons au matin, les compassions de l'Éternel sont renouvelées envers nous. Nous ne sommes pas capables de remercier le Seigneur qui ben nous yon l'autre nuit. Et il fait nous yon l'autre journée. Nous sommes dans une nouvelle année. De temps en temps, nous envoyons l'autre année. Nous ne sommes pas capables de remercier le Seigneur qui fait nous tant d'années. Les nous garder l'année 2020, ça qui va les dégâts qui fait et dégâts qui ont continué dans l'année 2021. Mais le Seigneur, lui, garde nous et lui protège nous, il est avec nous. Nous pas capables pas remercier le Seigneur. Donc, nous remercions pour toute bagaille. Et les petites choses, nous avons toujours dit bon Dieu merci. Et même dans certaines choses qui nous paraissent un petit peu, nous ne comprenons pas, ou bien nous ne paraissons pas, mais un peu de fois, bon Dieu, il y a des choses qui parlent là-dedans. Et il a aidé nous là-dedans. Nous remercions, il nous dit que, à qui est-ce que nous remercions? Eh bien, à bon Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui donne nous toutes les choses que nous gagnons. Et nous, et lui préserver nous de tout mal. Lui préserver nous de tout mal. Dans Psaume 121, le psalmiste
dans psaume 121, il dit que nous connaissons les gens qui sont sortis. Il parle de les gens qui sont entrés. Il dit que psaume 121, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée. Donc, l'Éternel a lui tout remerciement, toute reconnaissance, parce que il garde nous, parce que il protège nous et garde nous de tout mal. Parce que tout, nous gagnons encore, et comment remerciement yo, nous devons bailler remerciement. Texte là encore, nous sommes capables de parler toujours, nous disons remerciement yo pour aller joindre qui est, à qui est-ce que nous devons joindre, à bon Dieu. Et comment remerciement yo, comment nous devons remercier? Nous devons remercier le Seigneur par une humble confession de notre indignité. Par une humble reconnaissance de sa miséricorde. Nous devons remercier le Seigneur également pour nous bali toute gloire, tout honneur et tout pour nous marcher devant en un état agréable. Son façon que nous remercions le Seigneur, nous reconnaître que bon Dieu est grand, il merveille nous d'accord marcher pour Jean bon Dieu y est. La vie nous eh bien, et comme si c'est un sacrifice même. C'est un nous offrir lui. Bye, bon Dieu, pour ça le fait pour nous. Et ça le fait non nous-mêmes. De qui ça nous a de remercier, bon Dieu? De quoi devons nous le remercier? Eh bien, pour qui ça tout? Pour toutes choses. Texte l'a dit, pour toutes choses. Texte à moi, il dit, pour toute chose, remerciez le Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu pour toute chose. Et même quelques bagailles, nous avons dit négatif, tout, qui est capable de paraître négatif, entre parenthèses. Parce que quand on le son, le Seigneur voulait tracer. Je prends un exemple, Jean-Jésus a déjà. Un exemple qui prend sous machine, moi, qui les garçons m'ont frappé et que m'a dit, même seulement décidé pas paquer, me dit m'a paquer derrière encore, on fait bac connia, m'a pris devant plutôt même. Mais c'était pour bien moins qu'elle t'ait frappé machine, parce que machine n'était qu'on l'huile qui a tombé, quand il était sous zèbre là, m'a pas de chance ka wè. C'est qu'on lui le cap tombé. Pourtant, l'aime pour la machine dans mettre devant qu'on est là. Sur notre driveway, moi, ouais, qu'on lui le cap tombé, ça va mettre qu'il me ça. Donc, on a dit, bon Dieu, merci, même pour la machine qui est frappée, parce que je n'ai pas le perdu la machine net, parce que l'huile est tombé, et la machine est casée. Donc, on a dit quelquefois, il y a un petit bagaille, nous pas dit, bon Dieu, merci, mais il y a un grand pile bagaille là-dedans. Eh bien, pour ça, bon Dieu fait, Jean, son bon Dieu qui est miséricordieux, il épargne nous de toute bagaille. Il couvre nous pour providence, li, pour prospérité, adversité, tout. Pour santé. Et quelquefois, même maladie. Dans maladie, oui, parce que quand il y a une maladie, il y a une peu louer, mon Dieu. C'est Paul qui te dit, il te gagne, il échappe. Et il priait pour y aller. Il n'est pas jamais allé. Il dit qu'il y a un ange Satan qui frappe lui. Pour ne pas orgueiller. Pour ne pas orgueiller, bon Dieu, quitte un ange Satan. Souffle-t-il. Pour ne pas orgueiller. Parce qu'il parlait. Il a dit qu'il va les bagailles que bon Dieu fait le ouais. Mais il dit pour ne pas orgueiller.
yon ange Satan soufflete li. Comment comprendre ça? Bon Dieu voulait nous gagner un état qui aime. Mais l'humilité a quelque bagaille n'a fait pour bon Dieu, bagaille tellement grand bon Dieu passe avec nous bon Dieu. Ça me songer que disciples Jésus voyait aller en mission. Il est venu même les démons nous ont soumis. Jésus dit yo, pas content pour ça, mais content plutôt parce que nous sommes au monde. Nous sommes au bon Dieu. Nous faisons partie du royaume bon Dieu. Ça veut dire, c'est parce qu'il y a des grandes réalisations. Parce que les grandes réalisations sont plus fortes pour nous orgueiller. Pour nous sentir que nous sommes capables et nous avons fait ça. L'autre monde n'a pas fait ça. Parce que l'orgueil est un gros bagage. Il y a peut-être un message dans ce salon. Quand tu es un serviteur, tu es dans l'église longtemps ça. Et puis il t'a invité au pasteur. Pasteur, ça, qu'on fait. Monsieur, son gros pasteur, il est fait miracle. Et puis il invite le pasteur à venir prêcher. Le monsieur paraît pour venir prêcher. Monsieur, commencez, dit bon. Et je dis, après, il y a pile de bagages qui m'ont fait là. Et vous pouvez comprendre ça. Il y a pile de bagages qui m'ont fait. Pile de gros miracles qui m'ont fait là. Vous connaissez. Bon Dieu, etc. À partir de jeudi, si pas grand rien que des gens qui font faire d'ici, c'est que vous allez avoir pile bagaille. Et les monsieur, il y a le micro pour le prêcher, il a commencé, monsieur commencé. Et monsieur arrive à côté, il commence la prière pour miracle fait. Pas de aucun miracle qui fait. Parce que miracle doit être fait selon bon Dieu et pas selon nous-mêmes. Ce n'est pas de volonté, pam, décider de faire miracle. Miracle doit être un réma de Dieu. Une parole, bon Dieu dit dans ces circonstances. Et les messieurs, ouais, aucun miracle pas fait parce que pour lui, bon Dieu, il conserve, il avait, il passait avec le moment. Miracle pas fait. Et monsieur est senti, pour Jean te parler avec orgueil, il senti, bagala grave, il m'a demandé de fermer mes yeux. Il dit, pasteur, monsieur, ça n'a pas marché, je dis, m'attendez encore. Pendant qu'il dit, mon Dieu, fermez Gilles parce qu'il n'a pas sorti. Comme ça. Il sentit honte pour le sortir. Donc, bon Dieu, fait monsieur honte dans le moment. Et pendant qu'il a sorti, il pense que personne ne parle. Il y a un petit grand monde qui frappe les épaules. Il dit, sous ton entrée bien, on t'a sorti bien. Mais on t'a entré mal. Et ça fait sortir mal. Donc, so, orgueil, il y a un petit problème. Elle arrive comme si. Nous levons tête. Donc Paul dit, on ange Satan souffle-t-il. Parce que Paul fait des grands exploits. Et mon bon, il t'a expliqué, il dit qu'on est un homme qui allait jusqu'au troisième ciel. Il dit, ouais, des bagailles que Dieu pour que je moi. Je sais que des bagailles pour t'arrêter. Mais bien aimé. Mais, eh bien, ça fait que nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous devons remercier bon Dieu pour toute bagaille. Nous connaissons que ce n'est pas nous qui faisons, que c'est bon Dieu qui fait à travers nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes. Donc, bon Dieu fait comme ça. Donc, nous devons remercier bon Dieu, même pour les moments difficiles, dans l'affliction, nous sommes capables de porter en pile bagaille pour nous. Nous devons rester dans le pied, bon Dieu, puis près, bon Dieu. Donc, nous devons remercier bon Dieu pour certaines situations difficiles qui t'ont poussé nous à la prière. Et qui est capable de permettre soit nous d'avoir une relation qui puis près bon Dieu. Parce que, puisque bagaille, ça, affliction, ça, on te porte dans nos moments de prière. Nous venons censés d'avoir un moment de prière comme si, puis fréquent, et permettre qu'il nous rete, puis près bon Dieu. Nous devons remercier bon Dieu pour ça. Donc, à quelle fréquence devons-nous remercier le Seigneur? Qui fréquence? Qui jeune doit remercier le Seigneur? Mais le texte l'a bien dit continuellement. Toujours. Le texte l'a dit toujours. Toujours. Donc, nous devons continuer à faire ça. Nous ne devons pas camper sous affaire ou remercier le Seigneur. C'est pour nous toujours à remercier pour toute bagaille. Parce que bon Dieu toujours fait quelque chose. Parce que bon Dieu a agi tout le temps. Il n'a pas jamais pris pause. La travail pour nous. La travail. Soit dans la vie personnelle, soit dans la vie au monde. Et ensuite, tout, nous devons commencer à dire bon Dieu merci pour l'autre monde. Parce qu'en pile fois, remercier, bagaille aller sous nous seulement. Mais lorsque nous commençons à remercier Dieu pour l'autre monde, tout, parce que bon Dieu voulait que nous ayons l'autre monde.
Parce que nous vivons dans un monde côté nous pas l'autre monde, mais bon Dieu veut ouais que nous ouais l'autre monde pour nous l'autre monde yo bon côté nous. Donc nous dit bon Dieu merci pour vous, merci pour réussite yo, merci pour porte qui ouvert pour vous. Merci. Donc ça a aidé pour nous surtout approcher une de l'autre parce qu'en pile fois nous pas voulez qu'embé relation une à l'autre là. Relation une à l'autre là c'est un plus gros problème que l'église traverse. Parce que si nous kembe une bonne relation une à l'autre, donc méchant a bien moins bagaille li ka fè à travers nous. Donc relation une à l'autre, c'est ça Jésus mettant plus l'accent sur l'amour nous devons gagner yon pour l'autre. Donc dès nous prier pour yon l'autre, n'a fait ça constamment, là nous fin fait dire merci pour nous, dire merci pour l'autre monde et continuer à faire ça dans prier nous pour nous dire bon Dieu merci. Donc, pas grand intervalle, vrai, pas grand le fixe, c'est toujours, ou encore Jean, l'apôtre dit, continuellement, nous devons rendre grâce à Dieu. Dernière partie dans le texte, là, c'est question de l'humilité, disons, soumission, qui n'a pas tourné sous lui, mais qui nous doit entrer tical là-dedans, dernière partie dans le texte. Dernière partie dans le texte, là, il dit que, alors, nous disons trois grands éléments que c'est une table. Trois grands éléments, ça. C'est la louange qui prend trois bagailles là-dedans. Alors, c'est une table. Dès qu'on met le 5, mais nous dit trois grands. Parce que louange là, pour compte, il prend trois. Parce qu'il dit entretenez-vous par des psaumes, qui c'est yon, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc, ça veut dire, c'est trois grands éléments, trois grands principes que nous sommes capables de mettre pour nous capables de louer bon Dieu. Deuxième nom, c'est remerciement. Ah non, sorry, nous dit pour un cœur. Il y a un monde qui remplit l'esprit, il y a un monde qui remplit avec l'esprit bon Dieu. Donc, il doit abaille louange à bon Dieu et gagner des chants de louange sur elle tout le temps. Donc, il doit rendre continuellement grâce à bon Dieu. Et troisième élément, il doit soumettre yon ak lòt. Qui t'aime dit nous que on parler de soumission, ça on a pris mon petit temps pour nous parler de soumission. Parce qu'on appelle pour prendre soumission seulement, ils pensent seulement c'est l'arrivée dans niveau et dans niveau mari madame. Mais la soumission c'est un gros sujet dans la Bible là. Et là apôtre là montrer que il y a un monde qui rempli avec le Saint-Esprit, il y a un monde qui contrôlé par le Saint-Esprit. Il doit y a un monde qui soumet. Donc tout le monde qui contrôlé par l'Esprit doit soumettre. Ou pas capable de rempli avec l'Esprit. L'Esprit bon Dieu non, ou même vrai comme s'il contrôlé parce que dans nouveau pas parler les remplis de l'Esprit, il y a pas oublier nous dit qu'il y a deux bagages dans remplis de l'Esprit, il veut dire, il y a une qui veut dire eh bien, vous remplissez avec Saint-Esprit pour un travail bien spécifique que bon Dieu veut faire dans un moment, il n'y a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Là, allez. Ça a vu faire encore, le bon Dieu veut faire travail ça. Donc, gagnez tout, vous remplissez Saint-Esprit, vous continuez, vous gagnez, lire ça, lui-même, lire ça. Et c'est ça, Paul a parlé là. Non, pas ça, non, pas ça. Dans Éphésiens chapitre 5, là, verset 18, là, il dit « Soyez remplis cet esprit. » C'est un ordre que l'apôtre a donné. Il y a un ordre qu'il bail, c'est pour nous toujours remplis avec cet esprit. Donc, ce n'est pas un bagage comme si on suggestion. Donc, là, il a parlé des hommes spirituels. Là, il a parlé pour nous marcher selon l'esprit. Là, il a parlé pour nous capables de conduire, qui d'accord pour nous marcher selon parole, la jambe bon Dieu voulait. C'est pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Donc c'est l'esprit qui a guidé, donc c'est l'esprit qui a contrôlé. Dans ce sens-là, l'esprit, mon Dieu, c'est lui-même qui remplit nous pour nous faire sa affaire. Donc, il y a un cœur, il y a un monde qui remplit cet esprit, et bien, il est toujours porté toute louange, gloire, à bah, bon Dieu. Et puis, il est toujours fait bah, des remerciements à Dieu, il a un cœur reconnaissant, et lui, c'est un monde qui est soumis. Donc, les soumettre. C'est le troisième élément dans le sujet ça. Donc, sujet ça, il y a un paquet d'importance et il affecte les relations nous,
dans la caille, dans l'église et dans le travail. La soumission affecte les relations dans la caille, nous, l'église et dans le travail. C'est un sujet qui en bail en pile petite difficulté, en pile charlé, il y a des gens qui pas d'accord. Nous connaissons. Chaque bagaille comme si il y a dans la Bible, il y a des gens qui réunis, pas d'accord. Ça fait que nous avons pour nous faire parler sur plusieurs bagailles que les gens ne sont pas d'accord. Et mes sujets sont dans la Bible. Et nous devons faire nous-mêmes selon Jean Bible, dit nous faire là. Et pas aucun problème là-dedans, c'est parce que les gens ont un problème eux-mêmes. Voilà pourquoi que nous disons c'est lorsque les gens remplissent cet esprit seulement qu'à rentrer là. Donc si les gens n'ont pas rempli cet esprit, ils ne peuvent jamais sentir bien pour les soumettre. Parce qu'il y a toujours gardé soumission comme un vieux bagaille. Parce qu'il y a toujours un monde qui soumettent, c'est comme son esclave. Ce n'est pas vrai. Soumission, pas de saladin. C'est volontairement nous soumettre. C'est avec connaissance de la parole même que nous soumettre. Voilà pourquoi que cette soumission doit se faire en Christ. Donc ça veut dire, pour ne pas craindre de Christ, c'est un gros élément que l'apôtre a ajouté. Il n'a pas seulement montré, il dit, vous soumettant les uns les autres et puis il finit. Mais il dit, dans la crainte de Christ. Ça veut dire, puisque Christ, c'est lui-même qui soutient l'église là, et bien, tout le monde doit soumettre avec elle, et bien, il m'a dit pour nous soumettre une à l'autre, parce que dans la relation une à l'autre, il y a une soumission. Donc, jusqu'à une soumission dans la relation une à l'autre, la caille là, il y a une soumission, dans l'église là, il faut une soumission, et dans le travail là, il y a une soumission. Donc, il n'y a pas une question de plus grand, puis monde qui a plus de connaissance, il n'y a pas une question de monde qui. C'est une question de. En tant que serviteur de Dieu, en tant que monde qui remplit cet esprit, nous soumettre. Ça veut dire, nous qui avons l'église, c'est un petit monde qui parle avec nous, puisque c'est lui-même qui a l'autre bouffon bagaille, nous devons soumettre. Donc nous voyons qui gens qui soumission, en pile problème, ça fait que nous prenons le travail sur lui. Donc nous faisons deux vendredi, peut-être sous soumission pour nous parler sur lui, mais nous devons faire un petit râle tout petit. Parce que dans l'église, il n'y a pas qu'un monde qui rebelle. L'on sentit rébellion qui gens le font, parce qu'ils n'ont pas voulu soumettre. Et ça montre preuve que nous n'avons pas rempli avec l'esprit. Il n'est pas rempli avec l'esprit. Parce que l'on rempli avec l'esprit, on va soumettre quand même. Son déclaration générale, la soumission, son déclaration générale, qui appliquait spécifiquement au mariage, à la famille et au travail. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on a le travail, on est obligé de soumettre. Et si pas de soumission, ou imaginez notre travail, pas aucun monde qui veut soumettre. Qui sont des ordres total. Sont des ordres total. Pas d'abrayer que tu n'as jamais marché. Si pas de soumission. Est-ce que ça veut dire c'est esclave? Donc, mais lorsque les gens ont besoin de craser quelque bagaille, si tout le monde qui a parlé, si tout mesdames qui ont parlé, mesdames féministes qui ont parlé, pour montrer mesdames, toutes mesdames, Bible n'a pas droit, mesdames, normalement, vous avez besoin de l'autre côté pour jouer nos bagages, parce que puisque la Bible dit que mesdames, il faut vous soumettre, et comme vous sentez, non, il n'y a pas qu'à faire ça. C'est diable. Donc, il faut que vous ayez soumission dans le travail, il faut que vous ayez soumission dans le pays, il faut que vous ayez soumission dans l'église, côté de la structure, de la monde, vous avez fait quelque chose. Il faut que des gens qui soumettent, sinon pas grand rien qui jambe réglé. Tout côté qui pas de soumission, pas de son désordre, son chaos, pas grand rien qui a réglé. C'est pour gagner soumission. Donc la soumission, c'est un sujet clé que les gagnés dans la Bible. Et il faut que nous-mêmes, en tant que bon Dieu, en tant que serviteur bon Dieu, petit bon Dieu, il faut que nous d'accord pour nous marcher dans la soumission. Ou pas qu'il y a un monde qui remplit l'esprit pour ne pas marcher dans la soumission. C'est impossible. Et nous-mêmes, qui l'église, l'université surtout, nous connaissons, année ça, son année de porter du fruit, vivre pour Dieu et refléter son royaume. Une année, porter du fruit, vivre pour Dieu et refléter son royaume. Donc, nous mettons accent sur ça. Pour ça, parce que lorsque un monde remplit l'esprit, bon Dieu, il n'est pas capable de porter fruit. Il n'est pas capable de mener une vie pour bon Dieu. Donc, ça nous sort l'italien, là, son vie pour Dieu, lorsque le monde a porté des adorations,
tous les remerciements. Donc, il offrit lui-même à bon Dieu. Donc, parce que lui remercier bon Dieu, lui baille en sacrifice à bon Dieu, lui baille la ville. Paul dit pour nous offrir corps nous à Dieu comme un sacrifice agréable de bonne odeur à Dieu, selon Romains chapitre 12. Donc, ça veut dire, nous sentons que nous, dans le niveau ça, il a gagné net dans mes bon Dieu, donc il faut que les soumettre. Donc, on est à la débile pas soumettre, il juste face à Christ directement. Il y a un problème directement. Peut-être ça dit pour nous soumettre à Christ dans la crainte. Soumettre à tout, il y en a que l'autre, dans la crainte. Dans la crainte de Dieu. Ok. Soumission dans la relation, nous. Pour nous soumettre, il y en a que l'autre, dans la crainte de Christ. Il servit également de un sujet pour nous présenter un enseignement également ce mariage. Nous avons le service avec soumission dans la partie mariage. Mais il y a une instruction là-dedans, la soumission, il y a entre les dans le cadre de petit monde, pour les parents. Et pour aller plus loin, il parle de monde qui est esclave, qui est libre, et qui parlait pour mettre, alors, qui parlait pour mettre, dans le moment, Paul t'a écrit, il y a un esclavage, pas de aboli. Donc, il parlait pour eux, il parlait tout pour mettre. Donc, nous avons un texte là, donc, il est dans le haut niveau, il parlait pour institution, il parlait pour mariage, il parlait pour Timon, et puis il parlait également dans la relation qui gagnait entre esclaves et maîtres. Sous table, entre employé et employeur, entre parenthèses, bien qu'il n'y ait pas le même sens parce que l'esclavage était plus bien dans le moment. Mais quand même, Paul était toujours encouragé pour faire des choses qui sont bonnes, pour ne pas vivre n'importe quel genre. Parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans la soumission parce que l'air l'a fait nos défauts, déjà à 8 heures. Mais cependant, je vous promets que vendredi, si Dieu veut, le sujet ce sera la soumission. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21, nous allons mettre accent sur ce sujet. Ça. Mais d'ores et déjà, sachez que y a un monde qui pas soumettre, c'est un monde qui fait preuve qu'il pas rempli cet esprit. Parce que Paul dit, puis gardez-nous enivrez-nous de vin, mais soyez remplis cet esprit. Ça veut dire, le vin, il mettez-nous en bas, on contrôle. La Bible a dit c'est la débauche lorsque le monde mette le sous contrôle du vin. Mais elle dit nous-mêmes, c'est pour nous mettre sous contrôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, influence Saint-Esprit pour nous gagner, ce n'est pas influence alcool. C'est nous devons influencer par le Saint-Esprit. Et lorsque nous influencer par le Saint-Esprit, lorsque nous remplis le Saint-Esprit, eh bien, maintenant, nous, ça c'est une vie, c'est une qualité de vie pour la parler là. Donc, cette plénitude du Saint-Esprit que pour la parler là. Donc, il ne peut pas parler de nous gagner en plénitude ça pour faire une action bien déterminée, tant que les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, pour te faire un bagage spécifique. Ce n'est pas le même bagage à la parler là. Voilà pourquoi que plus tard, dans le même chapitre 2, le texte d'Abraham dit, Pierre remplit de nouveau de l'Esprit. Ça veut dire, dans ce sens, il montrait qu'elle est remplie pour accomplir quelque chose que bon Dieu te voulait le faire dans un moment et non une qualité de vie tant que ça y est, tant que là, son style de vie même qui est la gaine en bas de cet esprit qui contrôle la vie. Et ça qui est important là, remplir cet esprit, ça qui n'a pas là. Le Saint-Esprit qui contrôle la vie et il fait que nous baillons, menons vie côté nous porter toute adoration, louange, gloire, bah bon Dieu, remerciement, bah bon Dieu, et nous vivre en soumission yon à l'autre. Donc, c'est cette soumission ça qui n'a parlé, une soumission qui est entrée dans l'église là, qui est entrée dans le foyer, qui est entrée dans la société là, côté dans le travail, côté nous devons soumettre à l'autre. Nous avons plein de monde qui est rebelle lorsqu'il va dans le travail, il va soumettre vrai. Il doit obéir. Parce qu'il connaît qu'il va y aller. Parce qu'il connaît un bagage. Parce qu'il ne peut pas mettre la tête. Il doit soumettre à Christ. Et à cause de Christ, à cause de Christ qu'il a gagné pour Christ, il soumet à l'autorité. Il soumet à n'importe quel monde qui dit c'est le monde qui est chef. Et comme si depuis Haïti, il y a un monde chef,
l'idée au monde comme si yo mettait monde ça responsable li presque pour venir pour battre l'estomac s'il pour sentir qu'il pas obéir à tel. Donc même simple monde dans commettre l'église là qui mettait monde chita monde dans les vols tout cela livre chita gon rébellion ou senti mon dit non même pas chita là ou senti gon problème de soumission la caille monde dans sens ça. Donc nous pas voulez nous voulons l'église côté tout monde nous soumettre une autre parce que soumission une autre là li aller au côté moi vendre dans l'église là me besoin soumettre à un monde parce que gros bagaille irresponsable il dit me c'est là mettre au chita pour me d'accord ça même que c'est moi pasteur l'examen il dit c'est là il mettre me chita parce que c'est lui responsable pour mettre monde chita baka dit c'est tel côté me voulez on t'a des choses qui doit régler dans sens ça il y a tel bagaille c'est pour nous dans chaque département qu'a gagne un monde qui est responsable. Donc, moun sa ka di, mais Jean la gère bagay la, mais Jean la fait bagay la. C'est pour nous capables de soumettre avec lui et ça permet que nous marchions bien. Parce que bon Dieu lui-même, il te voyait Jésus vini. La Bible dit que lui soumet complètement. Et c'est un modèle lié pour nous. Et si nous gardons sous Jésus-Christ, donc nous allons mener une vie qui doit bien. Et en tant que monde qui remplit avec l'esprit, li, eh bien, nous non seulement pour tes louanges, gloire, honneur, bah bon Dieu, tout remerciement, bah bon Dieu, mais nous avons mené en vie, côté nous soumettre, nous avons clôt. Et bon Dieu, bénis-nous. Et avant de dire si je veux, pour une autre étude qui nous a bien sur la soumission. Si vous avez des questions, surtout pour les gens qui sont dedans et qui suivent, frère Gull, est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions? Yes ou non? Yon? Yeah. Il y a un monde qui pose des questions. Donc, il faut régler vos questions pour nous. Quand vous voulez, pour nous, si vous voulez, bienvenue. Merci en pile pour vos amis qui suivent nous sur YouTube. Je dis que bon Dieu bénit nous. Merci au pasteur Gaël qui est avec nous dans Kaila. Nous gagnons quelques mondes là. Donc, les questions qui sont posées. Ok, mais moi, si je suis capable de question, hein? Tout saluer tout le monde qui nous voit. Avec ça, je tout la question qui vous est. Donc, nous saluer. Saluer, nous saluer ça qui branche côté lié. Nous frère, nous avons pasteur Gaël qui est avec nous tout. Nous Wilda, nous saluer. Pasteur Grégory qui l'a tout. Nous saluer. Nous avons une question, nous suivre. Qui est-ce qui pose une question en tout? C'est Viviane, nous là. Et bon Dieu bénit nous, c'est tout ça. Et puis, ma brade is referring to the physical. Qu'est-ce que ça? Il dit que not to be drunk is referring to the physical drink. Okay. Oh, ok. Yeah. Oui, frère Mathieu. Donc, question qui dit pour nous pas enivrer nous de vin, hein? Est-ce que c'est physical? Oui. Dans ce sens, ça que. Pour la faire, je te dis ça dans le commencement, par contre, je t'ai suivi dans le commencement, je te dis que ces deux bagages sont contrastes qu'il a. Ça veut dire on peut remplir du vin ou encore influencer par le vin, contrôler par le vin, ou on peut également remplir du Saint-Esprit ou bien influencer par le Saint-Esprit ou bien contrôler par le Saint-Esprit. Donc, Paul te dit que Piga nous remplit avec du vin, ne vous enivrez pas de vin, il a nous sous, il a nous contrôler par le vin, mais pour nous contrôler par le Saint-Esprit, pour nous remplir du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, parce que lui connaît, lorsque nous remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il a le contrôle. Tandis que lorsque un monde remplit du vin, il péche parce que c'est du vin qui a contrôle, il a fait le bagage qu'il n'a pas de faire, etc. Donc il besoin que nous l'aguenons, mais bon Dieu, pour que le Saint-Esprit gagne contrôle de notre vie. Il contrôle la vie, ça est exprimé par l'adoration, la louange que nous baillons, bon Dieu, par des hymnes, des cantiques et des psaumes. Et puis, par le remerciement, pour nous remercier Dieu, et par la soumission, youn ak lot, dans le verset 21. Ok? M'baka m'gé l'autre question encore? Ok? Merci en pile, frère Mathieu, pour la question que tu as posée. Eh bien, nous comptons. Mais nous comptons pour chaque monde qui t'a suivi, pas oublier. Si nous sentons que nous avons un esprit rebelle, si nous sentons que nous avons un esprit qui a pesé, pour ne pas obéir, pour ne pas attendre, pour les gens parler avec nous, comme si nous sentons que nous ne sommes pas capables de attendre, sous prétexte quelque chose, c'est que nous avons une vie, nous avons
nous orgueillons, nous avons pile problème et nous besoin de la prière, bon Dieu, pour être capable pour faire nos grâces dans la situation nous y a. Prier bon Dieu pour nous, il y a un monde qui obéissant, il y a un monde qui soumis lorsque vous parlez avec nous pour nous tendre, pour nous pas battre colette nous, même lorsque nous ne plus qu'on bat son l'autre. Voilà pourquoi Paul pourra le montrer dans un Philippiens puis devant que nous devons garder l'autre monde qui en face nous comme plus grand passé nous, comme plus haut passé nous et pour nous intérêt au lieu de nous intérêt pas nous, parce que c'est une vie de soumission, c'est comme ça nous qu'à faire. Souhaitez que le Seigneur bénisse nous et fait nos grâces et aide nous. Donc, avant de dire si pour notre étude, nous allons dans la prière pour nous capables de mettre fin avec un moment spécial ça que nous avons gagné. Je connais ce qui est pendant que je dis ça là. Est-ce que c'est notre ou pas de question? Parce que nous avons fait notre ou pas de question? Oui, ok. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, merci. So, ok. Dans nos prières, dans la prière. Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous nous remercions en pile pour ce qu'on fait pour nous, ce qu'on continue à faire. Merci pour grâce, merci pour compassion. Merci parce que vous avez aidé nous pour nous être capables de faire un petit travail dans l'étude ça concernant nous qui remplis avec l'esprit ou parce que son l'ordre qui nous joigne dans le texte là pour nous remplir Saint-Esprit. Donc nous devons mener en vie pour nous toujours laisser Saint-Esprit contrôler nous, pour nous d'accord pour lui mener, pour lui influencer nous. Et permettre que chaque monde qui t'attendait mais d'accord, yo même qui d'accord pour l'esprit ou influencer, et ben surtout Seigneur d'accord mener en vie de soumission, parce que nous connaissons quelquefois, nous connaissons un peu de fois pour tes adorations, bah oui, adorer c'est vrai, un peu de fois nous merci c'est vrai, mais Seigneur dans soumission papa un gros problème, nous gagnons dans foyer, nous gagnons l'église là et nous gagnons le travail, même dans travail nous aller. Donc, nous avons des problèmes parce que nous ne pouvons pas soumettre. Pas prendre de temps pour papa. Aidez-nous pour nous avoir un peuple qui va soumettre. Vous allez aider nous dans le reste du moment qui va passer pour nous capables parler de soumission en détail. Vous va permettre que le peuple la comprenne. Nécessité pour nous soumettre. Parce que son l'ordre qu'on a, nous devons faire en tant que petit tout. Et puisque nous devons porter fruit dans l'église, ça, permettre qu'il y ait ça, Seigneur. La soumission, c'est un moment Pemba qui nous va apporter comme fruit dans la vie. Non. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège.